Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que l'Ukraine n'avait fait que mettre en œuvre les plans des États-Unis. Monsieur Peskov a précisé que Monsieur Poutine travaillait normalement dans son bureau au Kremlin ce jeudi, mais que les mesures de sécurité ont été renforcées. L'Ukraine a nié toute implication dans l'incident survenu aux premières heures de mercredi lorsque des images vidéo ont montré deux objets volants s'approchant du Kremlin et l'un d'entre eux explosant dans un flash lumineux. À la suite d'actions ponctuelles prises par l'armée russe et les services spéciaux utilisant des systèmes radars, les appareils ont été désactivés. L'écrasement et l'éparpillement des fragments n'ont fait ni victimes ni dégâts matériels. La Russie a considéré ces actions comme un acte terroriste planifié et une tentative d'assassinat du président russe Vladimir Poutine. Selon le Kremlin, le président Poutine ne se trouvait pas au Kremlin au moment de cet attentat. Il se trouvait dans sa résidence de Novo-Ogaryovo, à l'extérieur de la capitale russe. Son emploi du temps n'a pas changé et Moscou prévoit toujours d'organiser le défilé militaire du jour de la victoire sur la place Rouge. Le Kremlin a affirmé qu'il se réservait le droit de prendre des mesures de rétorsion où et quand il le jugerait nécessaire. Le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodin, a déclaré que l'attaque terroriste contre le président russe était une attaque contre la Russie. Les autorités russes ont également évoqué la nécessité de renforcer les mesures de lutte contre la menace des drones. Dans une déclaration, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a indiqué que les vols de drones seraient interdits à moins qu'une autorisation spéciale n'ait été obtenue auprès des autorités gouvernementales. Au cours des derniers jours, la Russie a connu une série d'attaques sur son sol, notamment des incendies dans des dépôts pétroliers et des explosions sur des voies ferrées. Certains des drones qui avaient visé Odessa, au moins dans le sud du pays, avaient marqué dessus pour Moscou ou pour le Kremlin. Donc une indication claire que les Russes voulaient par cette attaque de drone se venger. Mais comme vous l'avez dit, les systèmes de défense antiaérienne ont réussi à bloquer non seulement une partie en réalité, mais la grande majorité de ces drones, 18 sur 24 s'il faut en croire leur bilan. C'est uniquement à Odessa que des drones ont atteint leur cible, un cible qui est décrit comme un établissement éducatif sans provoquer de blessés et seulement un incendie qui a été provoqué. Il faut souligner que quand les Ukrainiens disent qu'il n'y a pas de blessés, il se peut qu'en réalité il y a des blessés militaires. Et puis les attaques se sont intensifiées ces derniers jours. C'est maintenant sur les quatre nuits de mai. Trois fois, il y a eu des frappes assez massives sur plusieurs endroits en Ukraine, y compris loin de la ligne de front, dont le but peut être, s'il faut croire ce que eux ils disent, d'empêcher les Ukrainiens de lancer leur contre-offensive en ciblant des cibles militaires. Là, c'est deux drones, au goût étrange venu d'ailleurs, qui survolent le Kremlin, carrément en plein cœur de Moscou. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques Beau, on vous reçoit toujours avec plaisir, vous êtes ex-membre des renseignements stratégiques suisses. Mais alors pour le moment, c'est quoi cette histoire? Parce qu'une attaque ukrainienne, mais ce qui signifierait quand même que, disons, si des drones ukrainiens peuvent arriver jusqu'au-dessus de Moscou et du Kremlin, ça paraît quand même, les défenses russes me paraissent très 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 fragiles. Je pense que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut tout d'abord savoir que l'Ukraine a déjà tenté de lancer des drones contre Moscou. Oui. Une fois, il y a une dizaine de jours, d'ailleurs, c'était la dernière fois, ces drones ont été abattus. Le drone il y a une dizaine de jours était destiné à attaquer une entreprise ou un complexe industriel
dans lequel Poutine devait se rendre. Ouais. Et puis, il y a eu plusieurs attaques dans le courant de l'année passée, aussi avec des drones. Toutes ont été stoppées par par la défense russe. C'était des drones un peu plus gros que ceux qu'on a vus l'autre jour, mais c'était, ils ont tous été arrêtés. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'Ukraine mène des attaques contre le territoire russe. Et contre la population russe, ça, on l'a déjà vu, avec des attaques contre des trains, avec des attaques contre même des... Mais sans grand effet, apparemment, pour jusqu'ici. Non, sans grand effet, mais j'y reviens. Je reviendrai d'accord, à ça. D'accord. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est cette drôle de guerre qu'on a actuellement en Ukraine, où on est à cheval entre deux offensives, contre-offensives. On ne sait pas si c'est les Russes qui vont attaquer, les Ukrainiens qui vont attaquer. On ne sait pas s'ils vont attaquer, quand ils vont attaquer, etc., etc. Et ce que l'on voit, et c'est un élément important dans l'appréciation de ce qui s'est passé au Kremlin, c'est que dans les médias américains, du côté des Américains, on voit qu'il y a quand même de sérieux doutes sur les succès d'une offensive ukrainienne ou d'une contre-offensive selon qu'on... La fameuse contre-offensive du printemps, c'est ça? Voilà, exactement. Qui sera probablement plutôt une de l'été, bref. Toujours est-il que les Américains ont des doutes très sérieux et on voit même pas seulement les officiels comme les gens du Pentagone et les gens du renseignement américain, mais aussi les médias britanniques aussi ont exprimé des doutes très clairs. Et alors, à partir de ces doutes, a émergé une sorte de théorie selon laquelle il fallait faire peur un petit peu au public russe, de sorte qu'il s'attende à quelque chose d'énorme avec cette offensive, quels que soient les effets réels, mais qu'on essaye de faire peur un peu à l'avance. Et il y a eu cette idée un peu folle qui est apparue, qu'on a vu dans plusieurs grands journaux américains, il pourrait se dégager un mouvement de panique qui pourrait créer une crise politique en Russie. Vous voulez dire un peu anti-Poutine ou contestation anti-Poutine, de Poutine, anti-gouvernement, anti-Poutine en tout cas. Ouais. Et je pense que c'est à la lueur de ce genre de réflexion qu'il faut regarder cet événement. Les drones qui ont été utilisés au-dessus du Kremlin étaient apparemment des drones de très petite taille, c'est-à-dire des drones avec une autonomie relativement modeste, de quelques kilomètres, ce qui veut dire que ceux qui l'ont lancé ces drones ou piloté ces drones devaient se trouver dans la région de Moscou. Eh oui, c'est ça. Même dans la ville de Moscou. Ouais. À proximité, en tout cas, à grande proximité. À proximité, exactement. D'accord. Et avec la charge explosive, d'ailleurs, les charges explosives qu'il y avait sur ces engins semblent avoir été extrêmement faibles. Donc, l'idée qu'on ait voulu assassiner Poutine me semble quand même un peu exagérée. Oui. En revanche, je pense qu'on voulait en faire une sorte d'événement médiatique, plutôt. Je pense que c'était ça, le but de l'opération. On voulait que ça se voie et que ça se sache. Ça vous paraît, en tout cas, ça ne peut pas être du ressort de la manipulation ou de la fausse fabrication aujourd'hui qu'on connaît Photoshop. Je vous pose la question. Non, je ne le pense pas parce que les images qu'on a vues, enfin moi j'ai vu des images sous différents angles, et il semble bien qu'il y ait eu un événement en tous les cas. D'accord. Quant à l'idée que ce soit les Russes qui les fabriquaient eux-mêmes dans le but de faire un événement sous fausse bannière, comme on les appelle, j'en doute, ça n'est pas tellement dans la politique russe. Et on voit pas très bien pourquoi ils l'auraient fait, d'ailleurs. Parce que si c'était, comme certains l'ont évoqué sur certaines radios françaises, que ce serait agi d'une manière pour la Russie de trouver une justification pour ensuite
Oui, attaquer massivement, c'est ça, oui. Ça semble quand même un peu tiré par les cheveux, parce que je pense que si les Russes voulaient tirer sur un bâtiment officiel ou éliminer, je pense qu'ils pourraient le faire, ils n'auraient pas besoin de trouver une justification de ce type-là. D'accord. Donc, à partir de là, tout est possible. Donc, ce ne serait pas du tout surprenant que des Ukrainiens se trouvant dans la région de Moscou, sympathisant de l'Ukraine, oui, opposant à la Russie ou à Vladimir Poutine, et mener une opération de ce type-là. L'idée de dire, ben, on fait des opérations un peu spectaculaires sur le territoire russe pour désécuriser la population russe et faire une sorte d'agir sur la population, une sorte d'opération de communication, si vous voulez, ou d'opération, une opération psychologique, littéralement, ça n'est pas complètement impensable. Ce qui est peu vraisemblable, c'est que cette opération conduise à une crise politique. Ça, je ne pense pas. Oui, je pense j'allais vous poser la question, est-ce qu'il peut y avoir une montée de la tension, en deux mots bien sûr, mondiale, enfin après cela, ou ça vous paraît quelque chose de, en tout cas, déjà très circonscrit ? Non. Je pense que d'abord les Russes n'ont aucun intérêt à monter cet événement en épingle, si j'ose dire. Et d'ailleurs, on voit la réaction du Kremlin. Ils ont parlé, ils ont essayé de minimiser l'événement, ce qui indique d'ailleurs qu'ils en sont probablement pas les auteurs, parce que Jacques Beau, sauf que Medvedev, lui, il est monté au créneau en disant on a essayé d'assassiner Poutine. Hein. Enfin, il y est allé. Ça n'est pas le gouvernement. Oui, Medvedev, ça n'est pas le gouvernement tout à fait. Il est un peu, on connaît son langage excessif qu'il a. Pardon, depuis le début de cette de cette offensive depuis l'année passée, Medvedev fait partie de ces faucons, comme on dit, qui ont plutôt tendance à avoir un langage très musclé, avoir belliqueux, des réactions très épidermiques. Il n'y a pas monté, en tout cas, des bruits de bottes plus étendus que ceux qui ne sont déjà, et ils le sont déjà suffisamment, bien sûr. Non, je ne pense pas. Je pense que la Russie, de son côté, va plutôt essayer de d'abord continuer son opération. La Russie est partagée en ce moment, je parle du gouvernement, bien sûr, partagée entre l'idée d'accepter des négociations si les Ukrainiens le proposent, ou continuer simplement froidement la guerre. Alors, première question, sommes-nous certains qu'il y a eu deux drones ? Oui, il y a bien eu deux drones. Regardez ces vidéos qui ont été authentifiées. La première, il est 2h27 exactement à Moscou, dans la nuit de mardi à mercredi. Un premier drone arrive au-dessus du Sénat, dans l'enceinte du Kremlin. Et c'est important parce que là-dessous se trouve l'un des bureaux de Vladimir Poutine. On voit effectivement cette boule de feu, puis un panache de fumée. 15 minutes plus tard, 2h43, un deuxième drone traverse le ciel, arrive, vous allez voir, au-dessus de sa cible, la coupole du Sénat, et explose lui aussi. Deux éléments, au moins, nous permettent d'affirmer qu'il y a bien eu deux drones. D'abord, ils arrivent de directions différentes. Le premier arrive par l'est et le second arrive par l'ouest. Deuxième élément, l'horloge du Kremlin. Sur la première vidéo, elle indique clairement 2h27. Et sur la deuxième vidéo, il est bien 2h43. Deuxième question, de quel genre de drone s'agit-il ? Non, ça, c'est la grande question, Emmanuel. C'est le grand mystère. Procédons donc par élimination. Dans cette guerre, les Ukrainiens et les Russes utilisent trois types de drones. En gros, pour faire simple, les spécialistes que l'on a interrogés ont tous exclu les drones à turboréacteurs comme le Tupolev 141 que les Ukrainiens ont notamment utilisé pour frapper la base aérienne d'Engels en décembre et les Bayraktar TB2 de fabrication turque. Ils auraient sans doute fait beaucoup plus de dégâts du fait de leur charge explosive et par ailleurs, ils sont trop rapides, jusqu'à 900 km/h. En regardant les images de Moscou, effectivement, il pourrait plutôt s'agir d'un drone à hélice. À ce moment-là, deux types de drones existent ou sont utilisés en tout cas dans cette guerre. L'un exclusivement par les Russes et l'autre par les deux camps. Le premier, c'est le drone kamikaze Shahed de fabrication iranienne, utilisé exclusivement par les Russes. Là-dessus, nos sources sont partagées. Certains ne l'excluent pas et d'autres estiment qu'il est trop gros, alors que les vidéos du Kremlin semblent montrer
contrer un drone de petite taille. Et puis l'autre modèle, c'est le Mujin 5 Pro de fabrication chinoise, utilisé par les Russes et par les Ukrainiens, un drone civil qui est équipé d'une charge explosive, celui-là même d'ailleurs qui a frappé il y a quelques jours un dépôt pétrolier en Crimée, et c'est celui-là qui est privilégié. Et si l'on observe maintenant la portée des deux drones les plus probables qui ont été désignés par les spécialistes, celle du drone militaire Shahed est de 300 km environ, vous la voyez ici cerclée en jaune, et puis celle du drone civil Mujin 5 Pro, 800 km, on voit donc qu'en théorie, l'un de ces deux modèle, le Mujin en l'occurrence, pourrait bien avoir décollé. Vincent, ici même hier matin, vous nous parliez des attaques qui frappent la Russie, de la tension que cela provoque à Moscou et à Washington aussi, car les Américains ne veulent pas d'escalade. Et voilà que le Kremlin vient d'être attaqué par des drones. Alors si vous pensez que le sujet d'hier avait été choisi délibérément, je vous traiterais de complotiste. D'ailleurs, c'est vrai que ce genre d'événement rend complotiste, on spécule à l'infini, puisqu'on ne sait rien. D'ailleurs, hier, est-ce qu'il y a bien eu des drones ? Les brouilleurs sont tellement puissants que le GPS de la voiture prétend que vous êtes à l'aéroport quand vous approchez en général de la place rouge. Pourquoi les Russes accusent-ils les Ukrainiens d'avoir tenté d'assassiner Poutine alors qu'il ne dort pas là ? Est-ce que c'est cette menace terroriste qu'ils redoutaient publiquement la semaine dernière? Et puis pourquoi est-ce que les Américains prétendent ne pas savoir qui a fait le coup alors que des fuites sur Internet en février ont démontré qu'ils n'ignorent rien de ce qui se trame dans les organes moscovites? Et pourquoi aussi est-ce qu'ils n'appuient pas Volodymyr Zelensky qui jure que l'Ukraine n'y est pour rien? Ouais, tout ça, ça fait beaucoup de questions là. Oui, on aura les réponses quand la guerre sera finie, quand les protagonistes auront débarrassé le tapis, quand leurs subalternes se mettront à table, quand ça n'intéressera plus personne. En attendant, que les Russes aient lancé ces drones, ou que ce soit les Ukrainiens, le résultat est le même, il faut s'attendre au pire. Ah, vous croyez l'escalade inévitable? Mais ceux qui pilotent ces drones sont des pyromanes armés de chalumeaux dans une poudrière. Soit les Ukrainiens ont mis un coup au but en frappant une cible hautement symbolique et ils doivent s'attendre à subir l'appareil. Vladimir Poutine n'a jamais bombardé la présidence à Kiev ni franchi le Rubicon nucléaire. Mais quand le pont de Kerch a été saboté, il s'est vengé avec des bordées de missiles qui ont privé les Ukrainiens de courant. Soit des Russes ont monté une provocation et ça revient pratiquement au même. Poutine va faire tomber des têtes, ensuite il va relever le défi. Comment faire autrement alors que le drapeau est publiquement attaqué par ceux qu'il dénonce comme des nazis juste au-dessus de la place rouge où il s'apprête à célébrer la victoire sur les nazis? Alors quand on lit la presse européenne ce matin, on voit qu'elle penche pour un coup monté. Hein. Peut-être, mais depuis quand la Russie a-t-elle besoin d'un prétexte pour passer à l'attaque? Elle n'en a pas fabriqué avant d'envahir l'Ukraine, ou de se lancer dans la guerre en Syrie, ou d'annexer la Crimée. Pourquoi donc maintenant? De plus, il est rarissime, même en guerre, que le siège du pouvoir soit attaqué. C'est une humiliation dangereuse pour celui qui le détient. Si son palais n'est plus sacré, ben lui non plus. Et d'une certaine manière, Vladimir Poutine a connu hier son 11 septembre. Tout attentat est une lettre anonyme. Le message, c'est la menace. Ce que disent les drones, c'est « ayez peur ». Place au faucon, la cible était symbolique, il faut craindre que l'onde de choc soit sismique. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent, 7h45. Elle a déclaré qu'elle allait continuer à discuter avec les Nations Unies et les autres parties au sujet de l'accord céréalier de la mer Noire, mais qu'elle ne ferait rien qui nuise à ses propres intérêts. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait cette déclaration en amont des discussions qui doivent avoir lieu vendredi à Istanbul autour de l'accord céréalier. La Russie et les Nations Unies doivent également discuter vendredi à Moscou de l'accès aux produits agricoles et aux engrais russes au marché mondial. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev se préoccupait de rechercher des partenaires pour réaliser l'accord et ne se préoccupait pas des intérêts de la Russie. L'accord céréalier négocié par l'entremise de la Turquie et des Nations Unies est censé expirer le 18 mai. Il a déjà été prolongé à plusieurs reprises. En Ukraine, des vagues d'explosions ont secoué des villes du pays. La Russie a lancé 18 missiles et les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la majeure partie de l'Ukraine, aux alentours de 3h du matin. La défense aérienne ukrainienne affirme avoir abattu
15 des 18 missiles. Le carrefour ferroviaire de Pavlorad, dans l'est de l'Ukraine, a été touché lors de la deuxième vague de frappes de missiles en 3 jours. 2 personnes ont été tuées et 34 blessées. D'énormes incendies se sont déclarés et des dizaines de bâtiments ont été endommagés. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les attaques visaient les installations militaro-industrielles de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir lancé des attaques depuis l'air et la mer de missiles de longue portée et de haute précision contre des installations du complexe militaro-industriel, des dépôts d'armes et des usines de munitions ukrainiens. Selon Moscou, toutes les cibles désignées ont été atteintes. Par ailleurs, un train de marchandises biélorusse a déraillé après qu'un engin explosif a explosé sur les voies ferrées dans la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine. Le gouverneur local a déclaré qu'il n'y avait pas de victimes. Les autorités se sont engagées à rétablir les liaisons ferroviaires d'ici mardi matin. Dans la région septentrionale de Leningrad, le gouverneur local a déclaré que les lignes électriques avaient également été soufflées par un engin explosif à 60 km au sud de Saint-Pétersbourg. Il a ajouté que le FSB, le service de sécurité russe, avait ouvert une enquête criminelle sur un possible sabotage. La Russie a lancé une série d'attaques de drones dans la région de Kherson, d'Odessa et de Kiev. Les sirènes ont retenti la nuit dernière dans la capitale, invitant les habitants à se mettre à l'abri. Une réponse prévisible de Moscou après ces images, impossible à authentifier, montrant mercredi l'attaque d'un drone sur le Kremlin. Moscou accuse Kiev de cette tentative d'assassinat sur le président Poutine. La Maison-Blanche a réagi et invite à la plus grande prudence. The United States is certainly not encouraging enabling Ukraine to strike beyond its borders. We've been very clear from here about that. But again, I don't want to get into speculation from here about the authenticity of this report. En visite surprise en Finlande, Volodymyr Zelensky a réfuté les accusations de Moscou. You know, I can repeat this message, and I think it will at least will be understandable for everybody. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. La Russie a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête pour terrorisme après la diffusion de ces images sur le Kremlin. Pendant ce temps, les forces russes ont intensifié leurs frappes dans le sud. À Kherson, le bilan est lourd, 21 morts et 48 blessés, notamment dans ce pays. Ils ont été fighting essentially a Soviet-style artillery war. What we see on the battlefield is that they're pretty evenly matched. La guerre en Ukraine fait rage, et avec elle l'incertitude sur l'identité du vainqueur. Kiev fait le pari d'une contre-offensive pour redynamiser ses troupes, renforcée par le soutien militaire des alliés de l'OTAN et d'un système antimissile. Mais la victoire ne dépendra pas d'un arsenal puissant, selon cet expert. Ukrainian forces have been given Western systems, and they've been trained on them tactically. But what matters for Ukraine is how well they've learned to do what the West calls combined arms maneuver, and that is the capacity to coordinate fire from artillery, from infantry, from armor, from special forces, and to do these things in a highly synchronized manner in order to maximize the force being applied at any given point to the end. The question is if Ukrainian troops have learned it well enough to implement it now for this offensive. If they have, it will be a game changer. They will have a devastating impact on Russian troops because they will be able to break through the defensive line and get into Russia's rear areas and attack their artillery depots and their fuel depots and limit the ability of Russian troops to retreat and maneuver. Mais la Russie n'est pas loin derrière. Selon les forces armées ukrainiennes, Moscou a récemment déployé le bombardier supersonique Tu-160, le plus massif du marché. Ils ont également le char Armata T-14, le plus avancé du pays, mais les soldats russes semblent réticents à l'utiliser. The Armata tank is essentially a kind of electronicized tank, like it's a digital machine. The turret itself turns automatically. The troops operate it through touch panels and things like this, and it's not been in combat.
Le nombre d'entreprises ukrainiennes en Pologne vient de dépasser les 25 000. Un boom provoqué par l'afflux de réfugiés qui s'installent dans le pays depuis le 24 février 2022 et la mise en place par Varsovie d'un accès simplifié pour les commerces ukrainiens au marché polonais. Проведення через спецустави можливості проведення єдноособових діяльності господарчих в Польщі для всіх українців з лікожестаю, з ульги на старт, преференційних ставок ЗУС на перші два роки. Une situation qui présente de nombreux avantages pour l'État polonais. Les entreprises ukrainiennes payent des impôts locaux, participent à l'activité économique du pays. Les Polonais n'ont rien à craindre, selon cet économiste. Ta percepcja pracownika ukraińskiego w Polsce i ukraińskich firm zmienia się. Pozytywne nastawienie spada. Część społeczeństwa polskiego wyraża swoje obawy w ograniczeniu dostępu do służby zdrowia czy świadczeń społecznych. Around 2 million people who left Ukraine due to the Russian invasion remain in Poland. This is a significant challenge for the markets, whether in terms of housing or the labor market. And Poland is still adapting to the new situation. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Moscou continue les répétitions pour le défilé militaire célébrant la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Des célébrations qui devraient se dérouler comme d'habitude selon les autorités, même si plusieurs parties de la ville ont été complètement verrouillées. Computer panel? Is it somewhere behind the panel? The thrusters? It should be somewhere right next to you. And we actually have an indication. That they are. Andrei, can you hear the actuator operating? All right, there's sunshine again. Well, it would be nice to bathe on the. Do you have a cutter? Yes, I have. Before these electrical connections between the airlock and the Nauka module get it aligned right, there were some. L'ex-président russe Medvedev appelle à éliminer Zelensky. Zelensky qui, lui, est en visite surprise aux Pays-Bas pour aller à La Haye. Une des affaires sans doute la plus préoccupante est l'histoire de la Cour pénale internationale de La Haye, puisqu'il y a une volonté maintenant des pays de l'OTAN. Il y a un livre qui vient de sortir d'ailleurs avec Badinter autour de la Cour pénale internationale. Il y a une volonté des pays de l'OTAN de traduire Poutine devant la Cour pénale internationale. Alors, c'est très joli, seulement ça suppose deux choses. Un, qu'il y ait une révolution orange à Moscou, et deux, ou que la Russie perde la guerre. Perde la guerre, oui. Est-ce que le pouvoir russe va accepter cela sans réagir ? C'est assez peu probable. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'il faut traduire Poutine devant la Cour pénale internationale, eh ben derrière la morale, ce qui se profile, c'est une troisième guerre mondiale. Voilà. La Chine a rendu public un rapport d'enquête révélant davantage de détails sur les cyberattaques menées par l'Agence centrale de renseignement des États-Unis contre d'autres pays. Ce rapport est le fruit d'une collaboration entre le Centre national chinois de réponse d'urgence au virus informatique et la société de sécurité Internet Tihu 360. Il indique que la CIA a largement exploité des vulnérabilités zero day, y compris des portes dérobées et des failles, pour mener des attaques progressives sur les serveurs, les terminaux et les routeurs du réseau. L'équipe d'enquêteurs chinois qui a réussi à extraire un grand nombre de programmes de chevaux de Troie et d'échantillons de plateformes d'attaque a découvert que certaines attaques remontent à 2011. Les cibles incluent l'industrie aéronautique chinoise, des institutions de recherche scientifique, le secteur pétrolier, des sociétés internet et des agences gouvernementales. Ce que j'ai rencontré dans ma vie politique et en particulier lorsque j'étais au gouvernement, des ingérences étrangères. Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elle venait d'un pays ami et allié qui s'appelle les États-Unis. Je ne porte pas de jugement. Je dis, votre commission travaille sur les ingérences étrangères. Je vous dis que, par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA. On l'a su lorsque des documents... des services secrets américains ont fuité et tout le monde s'est fixé sur le fait que la NSA écoutait Mme Merkel, mais enfin elle écoutait aussi l'ensemble des membres du gouvernement français et sans doute des autres pays européens. Vous avez été d'ailleurs victime d'écoute de la NSA, vous, personnellement ?
Ben d'après la documentation publiée par M. Snowden, qui a révélé que 75 millions de conversations ou de mails avaient été capturés indûment et illégalement par la NSA au détriment des autorités, des gouvernements, des entreprises françaises, je ne peux que donner raison à M. Fillon. La plupart des ingérences venaient des États-Unis par le droit extraterritorial, par l'utilisation du droit de lutte contre la corruption américain. Il y a eu et l'usage du dollar, monnaie de domination. La conjugaison de ces éléments-là ont fait que les États-Unis d'Amérique utilisent leur droit contre les Européens, et de façon systématique. Trois combattants palestiniens du Hamas abattus par les forces israéliennes dans la vieille ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Le mouvement islamiste indique que les trois hommes étaient membres de sa branche armée. Plusieurs explosions et des échanges de tirs ont eu lieu dans la maison où ils étaient cachés. Des échauffourées ont éclaté en marge de l'opération entre forces israéliennes et jeunes palestiniens. Les trois hommes abattus étaient accusés d'avoir tué par balle trois colons israélo-britanniques le mois dernier près d'Amra, dans la vallée du Jourdain. Le nord de la Cisjordanie est le théâtre d'affrontements depuis plus d'un an, tandis qu'une nouvelle flambée est survenue en début de semaine entre groupes armés de la bande de Gaza et forces israéliennes. C'est ainsi que le ministre israélien de la Défense a décrit le possible enrichissement d'uranium iranien au-dessus de 90%. Arrivé à ce seuil, Téhéran serait en mesure de fabriquer des bombes atomiques. Yoav Gallant a aussi prévenu que l'Iran ne se limitera pas à une seule bombe. Tandis qu'une main iranienne envoie des armes à ses proxys, l'autre poursuit son programme militaire nucléaire. Et ne vous y trompez pas, l'Iran ne se contentera pas d'une seule bombe nucléaire. Jusqu'à présent, l'Iran a obtenu des matières enrichies à 20% et à 60% pour fabriquer 5 bombes atomiques. Les progrès iraniens et l'enrichissement à 90% constitueraient une grave erreur de la part de l'Iran et pourraient mettre le feu à la région. En plus de prévenir Téhéran de possibles conséquences de la fabrication d'une bombe atomique, Yoav Gallant a aussi menacé la Syrie des risques de son alliance avec l'Iran. Le régime syrien doit savoir que l'armée israélienne répondra avec force à toute attaque lancée à partir de son territoire. Nous ne permettrons pas à l'Iran d'établir une puissance militaire en Syrie, ni de construire une autoroute pour la livraison d'armes de pointe au Liban. Ces menaces interviennent alors que le média saoudien Al Arabiya affirme que pour la première fois, Israël aurait frappé une batterie de défense antiaérienne iranienne. En voyage à Athènes, le ministre israélien de la Défense consolide les relations israéliennes avec la Grèce. Il y a trois semaines, les deux États se sont mis d'accord sur la vente de missiles aériens Spike pour une somme de 377 millions d'euros. La situation au Soudan continue de retenir l'attention des dirigeants du monde entier, en particulier ceux des Nations Unies et de l'Union africaine. La sous-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, s'est rendue à Addis Abeba pour rencontrer le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, au siège de l'organisation continentale. L'Union africaine a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. Nous avons également naturellement évoqué les questions politiques, notamment sur le Soudan, où nous sommes dans une trilatérale, les Nations Unies, l'Union africaine et l'IGAD. Nous avons travaillé et nous continuons à travailler avec les protagonistes pour un cessez-le-feu, pour des couloirs humanitaires. Les Nations Unies veulent la même chose. Tout d'abord que les armes se taisent et bien sûr que la situation actuelle des réfugiés soit réglée au plus vite. Amina Mohamed, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, a confirmé que son organisation soutenait la solution de l'Union africaine. Il est extrêmement important que nous soutenions une solution africaine à cette catastrophe au Soudan. Il faut mettre fin aux hostilités. Il nous faut également répondre aux besoins humanitaires à Khartoum et dans le reste du Soudan et reprendre le chemin d'un processus démocratique pour un gouvernement civil. Au Soudan, les combats se poursuivent entre les forces dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Dagalo. Alors que le conflit s'intensifie, des dizaines de milliers de personnes fuient leur pays pour se réfugier dans les pays voisins du Soudan. L'appel à la paix demeure toutefois au point mort. C'est un nouveau drame qui secoue la Serbie. Un homme a ouvert le feu à l'arme automatique jeudi soir, tuant au moins 8 personnes et en blessant 14 autres.
La scène a eu lieu près de la localité de Mladenovac, située à 60 km au sud de Belgrade. Le suspect a tiré depuis son véhicule en marche. Selon les médias locaux, l'auteur présumé a été arrêté en début de matinée. Le président Aleksandar Vučić a annoncé un plan de désarmement visant à récupérer des centaines de milliers d'armes dans ce pays qui compte parmi les plus armés au monde. Cette tuerie survient au lendemain d'une autre fusillade au sein d'une école de Belgrade. Un adolescent de 13 ans a tué 9 personnes, dont 8 élèves ce mercredi et blessé 7 autres. L'assaillant a été placé en hôpital psychiatrique. 3 jours de deuil national ont été décrétés. CPAC Hongrie, 2 jours de conférence pour les conservateurs européens sur le modèle de leurs cousins américains. Une banderole indique qu'il s'agit d'une zone interdite au wokisme. Le terme utilisé par les militants progressistes pour désigner l'éveil face aux injustices est ici comme un chiffon rouge à la corrida. En préambule de la grand-messe des conservateurs, Viktor Orban a dénoncé le virus du wokisme et assuré que son pays en avait l'antidote. Mindannyian támadás alatt állunk, Európában épp úgy, mint Amerikában. Azt is jelentenem kell önöknek, hogy a támadás nem gazdasági természetű. Egy biológiai fegyverrel van dolgunk. Egy vírus támadást indítottak ellenünk. Ezt a vírust a progresszív liberális laboratóriumokban fejlesztették ki. L'ancienne star de Fox News, Tucker Carlson, avait-il espéré pouvoir être présent au CPAC de Budapest si d'aventure il était licencié. Depuis l'enregistrement de son message vidéo, le journaliste américain a été licencié de la chaîne de Rupert Murdoch. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annulé sa première visite à Paris ce jeudi. Après des propos de Gérald Darmanin sur la gestion de la crise migratoire par la première ministre Giorgia Meloni. Dans une interview accordée à la radio RMC, le ministre français de l'Intérieur a affirmé que Meloni était incapable de résoudre les problèmes de migration sur lesquels elle a été élue et l'accuse de mentir aux électeurs en affirmant qu'elle peut mettre fin à cette crise malgré le nombre croissant d'arrivées. Questionné par un élu du Rassemblement national au cours de l'émission, il déclare que Meloni, c'est comme Marine Le Pen, elle se fait élire sur « vous allez voir ce que vous allez voir » et puis ce qu'on voit, c'est que l'immigration ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. Des propos qui enveniment un peu plus les relations entre Paris et Rome. En novembre dernier, les deux pays avaient connu une forte poussée de fièvre lorsque le gouvernement Meloni, à peine arrivé au pouvoir, avait refusé de laisser accoster un navire humanitaire. Depuis le début de l'année, l'Italie connaît un nombre record d'arrivées par la Méditerranée. Un revers pour le parti de Meloni, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale son cheval de bataille. Après plusieurs mois de sécheresse, des mesures drastiques de restriction d'eau entrent en vigueur dans quelques jours dans les Pyrénées-Orientales. Arrosage des espaces verts, remplissage des piscines privées et lavage de voitures dans les stations seront interdits. On voit ces derniers temps là, beaucoup d'incendies sur le secteur, donc il vaut mieux garder toute l'eau disponible pour les pompiers. Mais ces mesures ne font pas l'unanimité, notamment chez les professionnels du secteur. Là, le lavage que vous avez vu, 110 litres d'eau. Un particulier avec un tuyau d'arrosage, 300 litres d'eau. Si on encourage le lavage sauvage pour la nappe phréatique, c'est 3 fois plus de dégâts. 3 autres départements qui ont atteint le niveau crise ont déjà pris de telles mesures, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Var. Et donc, la réduction, j'allais dire, du monde et de la mondialisation va absolument de pair avec donc c'est la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire la décarbonation, les circuits courts, le lien entre consommation et production. C'est donc la réindustrialisation pour les produits industriels dont nous aurons toujours besoin, à quantité technologique élevée, faible, moyenne. C'est le cas de la transformation des aliments, et donc dans le cas de la souveraineté alimentaire. Donc pour moi, le message de la reconstruction souveraine d'une industrie est...
le moyen de lutter contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, si vous importez de moins en moins, vous n'aurez plus besoin de cette flotte de containers dont le plus gros du monde est capable de transporter en un voyage l'équivalent du PIB du Togo. J'ai envie de vous dire, pour moi, il y aura des secteurs qui vont être très fortement décroissants. Les fossiles, le pétrole, toute cette industrie, ça a commencé sur le plan financier, sur le plan physique. Et puis, des secteurs qui vont exploser. Le recyclage, l'alimentation locale. Donc vous n'avez pas, il n'y a pas d'idéologie, ni de la croissance, ni de la décroissance. Il y aura les deux. Et comme d'ailleurs dans toutes les révolutions, vous avez un monde qui meurt, un nouveau monde qui naît. Celui qui va naître va être évidemment fait de circuits courts, de produits fabriqués sur place. D'ailleurs, c'est un peu la fin du marketing. Le consommateur impose les origines. Donc on entre dans le siècle des origines. Je veux savoir où mon produit est fait, comment il est fait, par qui, comment les gens sont payés, comment ils travaillent. C'est pas très progressiste. Est-ce que Bercy, vous avez dirigé en son temps, a répondu à votre interpellation quant au rachat de Sego? On précise Sego, c'est une entreprise qui fabrique des robinets pour des centrales nucléaires, donc entreprise stratégique. Et les bâtiments militaires. Et des bâtiments militaires, et qui pourraient être achetés par les Américains. Et vous avez tiré la sonnette d'alarme par rapport à ça. Est-ce que Bercy vous a répondu à votre lettre? Vous noterez que je n'ai pas seulement tiré la sonnette d'alarme, nous avons fait une proposition de rachat. Oui. C'est-à-dire que nous sommes venus avec une solution sur la table. C'est une autre question. Donc déjà, ça détend un peu tout le monde. Donc moi, j'ai été très bien reçu par le gouvernement, qui évidemment, semble avoir pris des dispositions pour faire en sorte que Sego ne sorte pas du giron français. Je m'en réjouis. Est-ce que ma proposition sera suivie des faits? Je laisse le soin au gouvernement de le dire. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que ça reste en France. Donc pour moi... c'était utile qu'on soit présent et candidat à ce rachat. Je regarde quand même les 10 dernières années. Regardez ce qu'on a perdu. Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor. Je vous parle pas des entreprises de taille intermédiaire ou inférieure qui, elles, c'est un carnage. Bon, donc, si vous voulez, on peut faire tous les affichages. En fait, le vrai sujet, c'est qu'il va falloir maintenant qu'on remonte tous en France les boîtes perdues. Toutes les boîtes qu'on a perdues. C'est possible, ça, Arnaud? Bien sûr, c'est tellement possible que tous les pays qui se sont industrialisés dernièrement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait. Pourquoi on ne serait pas capable de le faire? Nous avons les ressources scientifiques, intellectuelles, technologiques et humaines. Nous avons les moyens financiers. Il y a un plan de relance de 50 milliards qui est sur la table. Et je vois comment ça fonctionne. Franchement, si on l'activait encore plus fortement et d'une façon moins bureaucratique, on pourrait avoir des résultats exceptionnels. Et puis surtout, on a un entrepreneuriat. Il y a Olivier Luanzi, qui est un homme que... Ce n'est pas qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui je partage les convictions sur la réindustrialisation. Il dit une chose très simple. Il dit qu'il faut partir des entreprises existantes dans tous les territoires et que dans ces entreprises, on crée les nouvelles entreprises. Donc ça veut dire qu'il faut financer des nouvelles entreprises à l'intérieur des PME existantes, des ETI existantes, des TPE existantes. Eh bien, il faut changer toutes les règles d'attribution de financement public et privé. Vous dénoncez un phénomène, j'aimerais bien que vous nous en donniez la traduction, c'est l'itarisation de nos entreprises. De quoi c'est? C'est ITAR, ça veut dire International Traffic Regulation on Arms. C'est une liste qui est établie de façon unilatérale par l'administration américaine et qui déclare que tel produit étant une composante sous contrôle américain, vous achetez par exemple les catapultes sur les plateaux de porte-avions de décollage de nos avions de chasse, eh bien, cette catapulte, si elle est ITAR, si vous voulez la vendre sur un autre bâtiment que vous vendez à l'export, vous, Français, parce que vous l'avez acheté aux Américains, vous êtes obligé d'en passer par l'autorisation de l'administration américaine. C'est comme ça qu'il nous a été interdit de vendre des Rafales à l'Égypte, parce qu'il y avait des composantes dans le Rafale que nous produisons en France, sous signature française, par une très grande entreprise française d'assaut. Il y avait un contrôle qui est propriétaire du groupe Figaro. J'avais oublié, mais j'aurais dû m'en souvenir, c'est une évidence. Mais surtout, ils importaient des composants américains sous la liste ITAR. Il y a 22 000 composants sur la liste ITAR, dont des vernis et des peintures. Donc, comment on fait pour éviter ça? Eh bien, c'est très simple. Il faut rapatrier les capacités de production. Il faut
produire nous-mêmes nos vernis, nos peintures, nos composantes, nos catapultes et se mettre en Europe à le faire. Parce qu'on ne pourra pas le faire tout seul, nous, Français, sur tous les éléments, j'allais dire, de défense. Hein. C'est exclusivement de la défense. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, reconnaissez que depuis 2006, au moins, je me bats contre cette escroquerie d'État qui ne peut pas être simplement liée à l'incompétence. Parce que, en fait, tous les rapports, Cour des comptes, Autorité de la concurrence, rapport du Sénat et maintenant rapport de l'IGF, dénoncent un cadeau hallucinant à des sociétés privées qui rackettent les Français sur la voie publique, financée par les Français sur des tronçons d'autoroutes qui sont amortis depuis longtemps. Alors vous avez caché ce rapport pendant 2 ans, vous n'avez pas pu le faire complètement. C'est vrai que 3 milliards d'euros d'investissement et 15 milliards de dividendes, ça fait une sacrée différence. Et qui était à la manœuvre ? Comme par hasard, Monsieur Macron, Monsieur Kohler mis en examen, Madame Borne qui avait pantouflé chez Eiffage, bravo, c'est la République exemplaire de la Macronie. Cela relève davantage de la Haute Cour de justice que de l'incompétence. En tout cas, il faudra choisir un jour. Mais ce soir, on a tous compris que vous ne vouliez rien changer. Vous trouvez toujours des excuses. La difficulté des Français à payer 10% du SMIC, 20% du SMIC pour aller travailler, ça vous rend totalement insensible. Le fait qu'il y ait 4 milliards de profits dans la poche des actionnaires et que nos concitoyens souffrent, vous n'en avez rien à faire. Et en vérité, vous éludez le débat. Vous savez très bien que l'IGF a recommandé d'arrêter ses concessions en vertu de l'arrêt Olivet pour motif d'intérêt général en raison du surprofit. Vous pouvez le faire en 2026, ça peut se prévoir maintenant. On peut aussi, j'ai fait une proposition de loi en la matière, je vous la transmets, du 3 novembre 2021, qui permet la réappropriation par les Français de leurs biens. Ce bien qui a été volé, qui a été instrumentalisé, qui a été manipulé par une oligarchie qui se protège. Et vous la protégez aujourd'hui. Et c'est ça qui est extrêmement grave. C'est ça le fond du problème. C'est que vous nous baladez depuis tout à l'heure. Vous nous baladez. La raison, c'est qu'on peut tout à fait reprendre la possession des concessions d'autoroutes, les rendre publiques. Et après, la représentation nationale décidera ce qu'elle fait du produit des péages. Soit elle baisse les péages sur les tronçons déjà amortis, elle peut même supprimer les péages. Soit s'il y a de nouvelles autoroutes, on remet un nouveau péage. Soit, bien évidemment, on les supprime complètement comme en Allemagne, en Bretagne, en Ile-de-France, je vous rappelle qu'il n'y a pas de péage. Et puis on met une taxe sur les camions, qui, et notamment étrangers, qui traversent la France pour financer l'entretien qui vaut 1 milliard sur les 11 milliards que nous payons. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur.